Donc on est sur une boutique de préservatifs. Bonjour à tous, messieurs, dames. Aujourd'hui, premier jour d'un voyage de 13 jours. Je suis pas tout seul puisque je suis avec mon invité. Je l'avais caché. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, le principe, je vous l'avais déjà annoncé dans une vidéo, on va partir, Kate et moi, pendant plusieurs jours en Europe. On va traverser l'Europe en voiture, on va prendre une voiture de livraison, j'allais dire, une voiture de location. Et on va s'arrêter dans plein de villes en Europe. Je vous ai fait une petite carte pour que vous compreniez bien le voyage. Première destination, c'est Amsterdam. Et ensuite, on traverse l'Allemagne. Et ensuite, on descend jusqu'à la Hongrie pour arriver à Varsovie. En fait, on aurait pu faire tout droit Amsterdam-Varsovie. Mais comme on va être bourré à partir de Berlin, on a fait un petit détour. Une fois qu'on est arrivé à Varsovie, on prend un avion, on laisse la voiture au bord de la route. On va à Moscou voir ta famille. Ouais. Moi, j'espère que le voyage va te faire plaisir. J'ai réservé des endroits que tu connais pas forcément. Par exemple, à Amsterdam, pour te faire plaisir, on va aller dans le quartier prostitué. On va s'amuser. Ok, on y va. On y va, on va prendre la voiture. Allez. Non, mais... Allez, Kate, c'est le point de séquence. Alors, avant de partir, il faut qu'on précise quelque chose. On fait ce voyage grâce à... Vas-y, dis-le. Je prends jamais correctement. Vas-y. Bug. Hein? Bug. Veg. Quoi? Veg. Vog. Big. Bug. Quoi? Bug. Comment tu prononces ça? Bouygues Télécom. Bouygues Télécom. Oui, attends, c'est bon, ils ont compris. On était déjà parti grâce à eux au ski. Et cette fois, c'est moi qui leur ai demandé de voir s'ils pouvaient nous filer un coup de main pour ce voyage. Pourquoi? Parce qu'on va être sur les routes et on va avoir besoin de 4G. À partir du moment où on va sortir de France, on va plus avoir la 4G française. Mais Bouygues a un service qui s'appelle le roaming. En gros, quand vous partez en Europe, vous continuez à avoir la 4G. Donc, on va pouvoir tester ça. On va d'ailleurs mettre le GPS. Là, maintenant, il faut que je prenne connaissance de ta voiture. Marche avant. Départ. Pas marche avant. Est-ce que je peux un peu prier? T'as peur? Et là c'est parti, on fonce vers Amsterdam! Yeah! Ah, des bouchons. Bon. Précise aussi qu'il n'y aura pas 13 vidéos, hein. Il n'y aura pas une vidéo par jour de voyage. Il y aura sur 13 jours peut-être 3 ou 4 vidéos maximum. Parce qu'on est aussi un peu en vacances. J'ai un petit souci, Kate. Tu peux m'aider s'il te plaît? Elle s'est pris dans mes cheveux. Bon, j'espère qu'il va nous arriver des aventures. Il faut qu'il nous arrive des aventures. Ouais. Par exemple, je me disais peut-être vers Cracovie, tu pourrais peut-être te faire kidnapper. Comme ça, moi ensuite, ce que je dois faire, je dois essayer de te retrouver dans une langue que je connais pas, avec des gens qui sont un peu méchants et tout. Ils vont demander récompense. J'ai un budget un peu serré là sur ce voyage. Donc ça y est, on est arrivé à Amsterdam. Fait combien de degrés? Maintenant 19, ça va faire 17-16. Je t'ai vu dans les crottes de... Non, j'ai fait ça. D'accord, j'ai rien, arrête. Tu la colles sur mon pull. J'ai mon titre de vidéo. Elle me colle ses crottes de nez sur mon pull. Arrête, c'est pas vrai du tout. Le cinéma, elle a un grand fête dans la ville. Tu peux être intéressé. C'est quoi, c'est la fête de la bière? Non, la Gay Pride. Au moins, je trouverai certainement quelqu'un de plus sympa que toi. Ah, non. Moi, j'embrasse que les garçons. Dans des situations comme ça, je fais semblant de filmer une séquence pour la vidéo. Comme ça, je suis sûr que c'est elle qui paye. Mettez-vous à faire des vidéos. T'as payé, c'est bon? Kate a des copines qui sont ici à Amsterdam ce week-end. C'était quoi? C'est des Américaines? On va aller voir et elle avait un rendez-vous à 20h. Sauf que moi, j'avais un truc à finir. Il est déjà 20h15. Quand c'est comme ça, faut dire qu'elle est entre 20h et minuit. Parce qu'on est sûr de ne pas être en retard. J'ai vraiment l'impression que tout est space. Hein. Le space poulet là. Ça c'est un space canard laqué chinois. Space kebab. Space pizza. Donc on est sur une boutique de préservatifs. Il y en a un de ma taille? Merci Kate. Merci. Jour 2 à Amsterdam. Ça va? C'était bien l'hôtel? Ta chambre elle est bien? Oui. Et la tienne? Oui. On n'a pas la même chambre, on n'a pas l'autorisation de... Bien ensemble encore. Oh putain, Pierre Cross! Salut! Ça va? C'est incroyable! Tu descends? Tu descends? On est au 6 là! Mais tout ça, t'as pas défoncé moi! T'as fait quoi hier soir? Une petite chantilly. Ah! Tranquillement. T'es française? Non, mexicaine.
Mexicaine. Ouais. T'as pris les champis ? Champignos ? Champignos ? Tu crois que si je mets dans la vidéo quand il dit qu'il a pris les champignons, je vais devoir le flouter ? Oui, peut-être. Parce que je sais pas flouter, c'est ça le problème. Ça va me prendre des heures et des heures. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va aller à Amsterdam. Il y a pour 40 minutes de marche. Alors attends, je voulais faire un point quand même. Parce que je pense que les gens qui regardent cette vidéo pensent qu'on est venu là pour fumer des drogues. C'est pas vrai. On a fumé hier soir? Non. Est-ce qu'on va fumer ce soir? Non. Après, je me disais qu'à être ce soir, si on va dans un coffee shop et puis qu'on nous propose un petit joint, on peut peut-être. Après, si peut-être on nous propose un peu de crack, on peut peut-être aussi. Juste pour tester comme ça. Puis en fin de soirée, s'ils nous proposent un peu d'héroïne, peut-être qu'on peut. Après, des petits champignons. Il y a beaucoup de protéines. On pourrait prendre un vélo comme ça pour la journée. Toi, tu te mets là. Voilà. J'ai un truc acheté, ça fait 10 minutes que je l'ai, je trouve pas de poubelle. Tiens, je te le mets là en attendant. Tu pourras le poser dans une poubelle. On va faire la vignette de la vidéo. Comment? Je te montre. Suis-moi. Voilà. Très bien. Viens et toi, tu me colles une corde de nez sur mon pull. J'ai la vignette, merci. Ah, t'as filmé en même temps. Oui. On arrive au fameux signe I Amsterdam, très connu. Ils sont propres, ils l'ont mis à l'envers. Par contre, Kate, il va falloir que tu demandes aux gens de se pousser. Parce que moi, j'aimerais avoir une séquence où je suis tout seul devant. Le show que je vous ai organisé quand même pour la vidéo. Je fais les choses bien, hein. Merci les mecs. Et maintenant c'est le moment que j'attends depuis ce matin puisque Kate m'a promis d'aller manger un burger, ça va être bien gras. Je vois déjà le petit cheddar qui fond, petit steak bien sointant, petit ketchup là, le pain bien grillé. Kate, c'est quoi ce burger là? Mais c'est ça, je t'ai promis un burger. Il y a pas le cheddar là, j'ai pas le ketchup. C'est un légume. J'ai pris la petite caméra parce que ce soir on va au quartier rouge. Et j'ai mis mon sac banane. C'est pas pour ranger mon ventre, arrête. Désolé Kay, j'ai trouvé la femme de ma vie. Elle a un sac banane. Oh, ne pars pas, non. Non. On arrive au quartier rouge, on arrive au quartier rouge. En gros, pour vous expliquer, on peut pas filmer dans la rue, donc les filles sont en vitrine. La vitrine est ouverte, elles sont à moitié nues. Si elles sont pas occupées, si elles sont occupées, elles ferment le rideau. Et c'est 50 euros pour les occuper. Tu peux me passer 50 euros, s'il te plaît. Ok, mais tu dois savoir qu'avec cette rose, tu peux aussi nourrir des enfants en Afrique. C'est bon, garde ton argent, j'en veux pas. J'ai compris. Ok, je vais terminer en bof parce qu'après il y avait la Gay Pride dans la rue, il y avait trop de bruit et nous on a fini la soirée dans une pizzeria avec une superbe vue du quartier. Jour 3, je me réveille tranquille dans ma chambre. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? J'appelle la sécurité. There is a Russian in my room. Can you take care? C'était ma première blague du jour. Tu cherches quoi? La brosse? Tu l'as mangée? Non, mais je peux te prêter la mienne. J'ai ma brosse pour les cheveux. Tiens. Et maintenant, direction l'Allemagne. Dépêche Kate parce qu'on va être en retard. Allez s'il te plaît, en plus mon sac banane il est super lourd. Ouais. Bah ouais, toi. Donc là on va dans une ville qui s'appelle Krosnik, enfin à côté de Berlin. Et ça c'est l'avantage d'avoir la 4G partout en Europe, c'est qu'on peut partir avec un GPS sur le téléphone sans souci. C'est qu'on sera pas perdu. Et on en a pour 6h24 de route avec les pauses, sachant qu'il y a 4 McDo sur le chemin. Donc il y aura minimum 4 pauses. On essaiera de prendre quelques images de drone aussi. De chaque McDo. Ouais. Tous les McDo d'Europe vus en drone. On va être un peu les Yann Arthus Bertrand des McDo. Ça y est, on est sur l'autoroute allemande. C'est ce que ça veut dire, Kate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation de vitesse. C'est parti, on peut rouler à 90. C'est une chanson pour se relaxer. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Tout le monde. Ok, on est arrivé, Kate. Faut que j'explique un truc aux gens qui nous regardent. Derrière nous, c'est un parc aquatique, sans doute un des plus grands d'Europe. On a un petit souci. Moi, je nage pas très bien. Kate nage peu, peut-être. Et ça m'a l'air très haut. C'est-à-dire qu'il a l'air des trucs très très hauts. On vient peut-être de dépenser de l'argent pour rien du tout, Kate. On va peut-être rien faire du tout là-dedans. Je me rendais pas compte que c'était si haut. Est-ce qu'on peut toujours partir, non? Non, c'est réservé et tout. Tu sais, il a toujours les petites piscines pour les enfants avec les petits champignons comme ça. On peut bien rester là. On a un peu moins, j'aime bien rester là. Oh, ouais, Kate. Apparemment, ils ont perdu un enfant, il dit. On va dormir ici, dans le parc. Par contre, c'est un truc en maillot de bain. Et moi, physiquement, je suis pas prêt pour être en maillot de bain. On ajoute un peu de chupeté. Attends, parce que j'ai mis mon sac banane, c'est lourd. Ah oui, sac banane, pardon. Alors, petite précision, on va dormir ici une nuit. Et demain, on aura toute la journée pour profiter du waterpark. Cela dit, ce sera dans l'épisode 2. Puisque dans l'épisode 2, vous aurez le jour 4, le jour 5 et le jour 6. J'espère que cette initiative de série vous plaît.
Ah, tu viens de finir de faire caca? Et n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous voulez voir la suite. Je vais faire un tour vite fait, je vous montre à quoi ça ressemble.